Bonjour, bonjour à tous, c'est Rolle avec et on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World Evolution 2 pour la suite de notre défi Jurassic Allemagne où on s'en sort pas trop mal pour l'instant. On est à 2 étoiles et demie. On va aller chercher la troisième étoile, j'espère, dans cette. Alors peut-être pas dans cette vidéo, mais en tout cas dans les prochaines vidéos qui vont sortir. 2 ou 3 maximum, ça pourrait faire plaisir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Pathologie entorse. Ah, envoyer une. Qu'est-ce qu'il faut? Envoyer une EVM pour administrer le traitement. Ah bah c'est bon, ça va être envoyé automatiquement. Ça devrait être administré automatiquement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on a ici Chronosaur. On a Chronosaur ici disponible, on pourrait le sortir d'ailleurs. Chronosaur, c'est combien? Ah bah non, Chronosaur... Est-ce que j'en sors deux? Est-ce que j'en sors deux là-dedans, sachant que la superficie est déjà limite pour un? Je pense que je vais pas en sortir un deuxième ici. J'avais dit d'en faire un. Je peux pas agrandir. Peux pas agrandir. Week-end agrandir. Week-end agrandir. Contrainte de terrain. Je pense que du coup, on va faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire installer un nouveau, comment ça s'appelle, un nouveau bassin là-bas. Bah pareil pour le chronosaure. Alors du coup, il y a quoi? 1, 2. 3, 4, 5, on va dire. 5 bassins. 5 bassins. 5 bassins. Bon, ça n'a pas été évident de placer 5 bassins ici. Hein. Ça n'a pas été évident de placer 5 bassins ici. Hein. On va les mettre là peut-être, mais je suis pas sûr que ça passe. Hein. On va tenter. 1. Pourquoi il veut pas s'associer ici? Je comprends pas. Le système de construction est catastrophique. 1, 2, 3, 4. Ah. 5. Je vais mettre 6. 6 pour qu'il soit vraiment heureux. Qu'est-ce que c'est? Gain de 2 millions de notes de publicité. Durée de tâche restante plus 25%. On va prendre les 2 millions. La publicité, c'est pas si grave. Et du coup, ici, on va y mettre le deuxième lagon avec un chronosaure qui devrait remonter l'attrait et attirer des gens par là. Ça devrait faire circuler donc les gens dans la région là et donc nous permettre de mettre des gros magasins dans le coin. On a fini la recherche des grands magasins d'ailleurs. Ce qui va nous permettre, normalement, si je dis pas de bêtises. Ah bah, je mets ça là, comment ça se fait que ça lag là? Si je dis pas de bêtises, de mettre des grands magasins ici. 200 personnes qui attendent là. 300 personnes qui attendent ici. Incroyable. Donc tenue décontractée, on va la virer. Ok. Je vais accélérer. Et on va positionner ces commerces. Comme ça. 563 personnes. Oh, je suis dégoûté. Il y a le bâtiment ici qui gèle. Attendez, je vais supprimer ça. Je vais le décaler, lui. Je vais le décaler comme ça. Ça devrait être suffisant. Et du coup, on devrait pouvoir poser là. Ah oui, on peut. Ouf! Me voilà rassuré. Parfait, parfait. Très bien. Au passage, on va aller ajouter une nouvelle couveuse de lagon dans le coin. Je pourrais la mettre éventuellement par ici. Ou alors je vais la glisser là-bas. Et il faudra qu'on installe. Ouais, on verra après. On verra après, il fait pas beau en plus. On va se concentrer sur les magasins d'abord. Oh la vache, 800 per... Ouais, c'est blindé quoi. C'est blindé. Alors, on gagne 24 000. 24 000, 24 000, 24 000. Bah, c'est le max. C'est le max. Alors 24 000. 35, 46, 48. 48, 48, 48, c'était où? C'est ici avec un point d'eau pour pas changer. 70 000, 70 000. Eh bien, 70 000. Est-ce qu'on peut encore gagner un peu plus? 75 000.
Monter à 75 000 en mettant une exposition de squelette, pourquoi pas? Voilà! Donc là, financièrement, ça fait exploser la rentrée d'argent. Hein. 75 000, clairement. C'est pas dégueu! C'est clairement pas dégueu. J'aurais presque pu, je suis en train de me dire, modifier un peu les routes. Parce que là, ça m'étonnerait que je puisse mettre un grand. Attendez, je vais le décaler. Est-ce que je peux le décaler un peu plus ou pas du tout? Il y avait une place là. Là, là, on l'a vu. Hein. Là, ok. Ah! Ici. Là. Ok. Là. Là! Allez, c'est moi. Non, mais c'est là où tu vois que le mode, heureusement qu'il existe, hein, parce que... Quelle misère! Il y a un point là, on l'a vu! Oh, dès que c'est de nouveau bleu, je pose, hein, même si c'est pas au plus loin. Là. Là. Voilà. On va mettre là, ce qui va me permettre d'avoir un accès un peu plus grand. Pour pouvoir mettre de grands magasins ici. Je vais mettre une route un peu plus large là, comme ça. Attendez, je vais mettre une route comme ça. Comme ça. Ok. On n'a pas d'électricité ici, c'est pas gênant, on devrait pouvoir poser ça. Voilà. On va supprimer cette route-là, celle-là, celle-là, celle-là. Supprimer ça et ça. On est à combien financièrement là? 40% d'attrait déjà et on est à 750 000. Voyons une fois qu'on aura fait ces deux magasins supplémentaires. J'espère que ça va aller. L'objectif là c'est vraiment faire gagner de l'argent. Quoi. Ok. Si je fais ça, ouais, ok, c'est plus ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tac. Je pourrais même, en vrai, améliorer la route ici. J'améliorerai la route là. Comme ça. Ça, c'est bien. Faire ça comme ça. Je pense que ça c'est pas mal. Et on va ajouter du coup. J'espère que ça va passer. Si ça passe, c'est parfait. Si ça passe pas, on est déçu. Ah, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ah, ça pourrait passer là comme ça. Non, c'est déjà ça. On va faire ça. On va faire ça comme ça, c'est bien. Hop! Hop. On pourrait parfaitement faire ça comme ça. Pourquoi pas. Ok. Combien j'avais dit financièrement? 450 000? Il me semble que c'était ça que je disais. Non, 750 000 j'avais dit. 750. On va voir une fois. Stress chronique. Besoins environnementaux. Je pense que le chronosaure, ici ça va devenir un bassin pour une autre espèce, on verra. Alors ici, on gagne 5000 pour l'instant, pourquoi? Parce que on n'est pas sur le bon truc. Hein. 22 000, du poisson frit, allez c'est parti pour le poisson frit, on va manger du chronosaure Abidi. 47 000. On mange du chronosaure à midi. Dans le resto juste en face du lagon. 47 000, 71 000. 71 000, 75 000.
Parfait. Et ici, bah pareil, du coup. 8000, 15000, tac, 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 tac. Il est où le 15000? Il est là. Ginger beer. 55000. 55000. 77000. Ok, on va partir sur ça. On va mettre un petit play. Et là, du coup, financièrement, ça fait bien augmenter la rentrée d'argent. Est-ce que du coup... 800 000, on a pris 50 000. Il nous manque 150 000 pour aller chercher la prochaine étoile. Ah ah, d'accord, d'accord. Ceci étant fait. Ici, on n'est plus plein. Ici, on est toujours plein. Et ici, on n'est pas plein. Ah bah note de parc, ça y est, on est passé, bah on a explosé. On est passé la troisième étoile. Bon bah voilà, objectif atteint. 931 000. On a explosé la rentrée d'argent. Parfait. Écoutez, du coup, on va aller ajouter... si on peut continuer d'accélérer. On va aller ajouter ici un lagon. On va ajouter ici un lagon. J'ai même... enfin, un lagon... Dans l'eau? Comment ça, dans l'eau? Ah, parce qu'il y a de l'eau. Je crois qu'il y a de l'eau, là. J'ai même envie d'ajouter une, en vrai une espèce... enfin, deux chronosaures dans ce coin-là. Si je peux me permettre d'agrandir encore l'espace, comme ça, je vais mettre deux chronosaures ici. Je pense que c'est pas mal. Pourquoi? Bah, comme ça, on met les deux chronosaures au même endroit. Et ce bassin-là, au final, on y mettra l'autre espèce aquatique, quoi. Perte de 500 000 ou perte de 50 000, moi, de... Bon, vas-y, je peux perdre 500 000, on a les moyens. C'est pas vraiment un problème. Ah, c'est vrai qu'on a attraction et centre de la découverte. Est-ce que centre de la découverte, ça passerait ici Attendez, où est-ce qu'on est? Eh, ça passerait ici, le centre de la découverte. Et pourquoi pas? En vrai... Attrait touristique, plus 250. Attention, messieurs, dames, tempête en approche. Merci d'aller vous mettre à l'abri le plus vite possible. Sécurité des visiteurs. Il est important d'interagir rapidement. Je vais mettre ça là. Je vais ajouter un centre de réaction que je vais poser là. Comme ça. Et un centre paléomédical. C'est où? Que je vais poser là, ici. Ok. Je vais ajouter de l'électricité. Qui touche tout ça. Et on va venir rejoindre. Comme ceci. Ok, on va ajouter une route. On va ajouter une route qui va partir comme ça, à partir de là. Comme ceci, on verra par la suite pour le reste. On adaptera la route en fonction des besoins. Ce qui va nous permettre d'amener bâtiment endommagé. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment endommagé ? Aïe. Vite répare ça. Après tout ceci. Là, équipe, équipe, équipe. On a besoin d'une équipe, on a besoin d'équipe. Merci d'intervenir le plus vite possible. Ok. Ah bah on a un dino mort, tiens. C'est mon tempête terminée. Mort de vieillesse, le Gallimimus, c'est pas très gênant. Ici, on voit qu'il y a du monde. Du coup, je vais élargir un peu la voie. On va élargir un peu la voie puisqu'il y a du monde dans le coin. Ce chronosaure-là, je vais l'endormir.
Ah mais attends, mais j'ai deux chronosans en fait ici déjà. Plus un troisième qui est là. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié, comme il n'y en a qu'un seul qui est pas forcément en bonne forme. C'est intéressant. Alors attendez, ce qui pourrait être plus qu'intéressant, ça serait d'aller chercher. Ah mais Tylosaur, je vais pas avoir assez. Parce que là, du coup, on va avoir des magasins qui vont nous coûter de l'argent, quoi. Voilà, les gens. Ah bah j'allais dire, il y a moins de gens, mais forcément, il y avait la tempête. Fais voir si je regarde dans les recherches. Accéder aux recherches. Espèces aquatiques. Un petit marin. Ah. Faites passer. Ah non, ok. Donc on pourra aller chercher le Tylosaur. On pourra aller chercher le Tylosaur et on remplacera le Tylosaur par le Mosasaur dès qu'on peut. Ou inversement, quoi. On virera le Tylosaur enfin, les Chronosaures par le Tylosaur. On inversera. Mais l'important, c'est d'avoir de quoi remplacer. Ouais. L'important, c'est d'avoir de quoi remplacer les espèces. Je vais. Bon, je vais le sortir. On va le sortir. Il va pas forcément être le plus heureux. On peut faire ça, ce sera mieux. Ah non, pardon, je me plante de touche. Si, 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 c'est bon. Tac. Ils seront pas forcément très heureux, mais c'est pas très grave. Fermeture des abris. Ok, du coup là-bas c'est prêt. Aucun accès visiteur. Est-ce qu'on manque de. Ah, on manque d'électricité? Ah non, c'est bon, l'électricité a été remise. Faudrait qu'on regarde ici pour améliorer production électrique. On va faire la recherche de ça. Recherche moins chère, recherche moins chère. Tac. Améliorer la production électrique. Pas avoir à reconstruire une centrale, ça pourrait être intéressant. Du coup, là, je vais sortir le chronosaure. Les trois vont être là, ils vont pas être heureux, mais je les transférerai là-bas. Une fois qu'on aura la possibilité de mettre. Comment il s'appelle? Le tylosaure, du coup, dans ce bassin. On en mettra un seul. Et je pense qu'un seul tylosaure va amener quand même pas mal de prestige. Un chronosaure, c'est 1100. Un tylosaure, c'est 1006. Bah, c'est la même chose, en fait. Donc, ça ira, quoi. 2005, le mosasaur. 2500, le mosasaur. Je pense qu'en espèce volante, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si je regarde au niveau de mon défi, on est à 7 sur 10 espèces. 7 sur 10. Donc on pourra ajouter de nouvelles espèces encore après. Je vais ajouter au passage, parce qu'on a de l'argent, je vais le mettre. Ah, je serais vraiment chaud à l'idée de mettre ça en vrai, mais je me dis en même temps, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on pourrait y mettre des magasins, quoi? La note du parc qui a bien évolué, parfait ça. Construis des commerces pour tes visiteurs. Fais en sorte de partager. Vas-y, on va faire ça. Si on regarde un petit peu là, ça donne quoi là? 50 pépères, hein, donc c'est pas la folie. Hein. Pour l'instant, ici, c'est pas fou. 60. Pour l'instant, ici, c'est pas fou. On peut pas encore exploiter pleinement le potentiel de la zone. Et si jamais on n'arrive pas à installer des gros magasins, bah on mettra le centre de commerce. Ouais. Au niveau attrait, on est à 41%, donc il faut continuer de monter ça pour augmenter le nombre de visiteurs. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Je suis en accéléré là? Je suis pas sûr d'être en accéléré. Ok. Plusieurs de Tenino souffrent de tuberculose. Bon, de toute façon, il y a des équipes qui s'en occupent, hein, il n'y a pas de souci. Je vais ajouter. Non, c'est pas ça. Attraction. Je vais mettre une petite attraction ici. Commencer à attirer des gens dans le coin. Même si c'est pas forcément. Même si c'est pas forcément le plus optimisé pour l'instant. Je vais mettre ça. On va supprimer ça. Attendez. Oh, que je fasse la recherche d'un grand hôtel aussi. Ça pourrait être pas mal ça. Je vais le faire. Recherche moins cher, mais t'as besoin de repos. Recherche moins cher ici. Bon, vas-y.
Râle. Râle, je te mettrai en vacances après, c'est pas grave. Du coup, toi, il faudrait que je te décale. Attends, je vais te supprimer, je te remettrai. De toute façon, on a de l'argent, je te supprime et je te remettrai. Je vais supprimer la route. Hop. Parce que j'installerai bien un grand hôtel dans le coin, ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et ça, on va ajouter un petit peu de point de vue. Comme ça. Comme ça. Et je vais pas mettre là-bas parce que j'ai pas envie que les gens aillent s'enfermer là-bas derrière. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée, j'aime pas l'idée. On pourrait aller chercher un grand poste électrique aussi. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. 500 000, on peut se permettre, c'est pas grave. Histoire d'amener du courant, bah du courant, quoi. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok, il y a un petit bout de route qui dépasse ici, on n'a pas forcément envie de l'avoir. Ok. Il y a ça aussi. On va remplacer cette route là du coup. Parfait. Décrocher une note du parc de 5, on est à 2,8. Ah, la note du parc elle a baissé, hein, dis donc. La note du parc a baissé, ça veut dire qu'on a perdu de l'argent. Pourquoi on a perdu de l'argent? Peut-être parce qu'on a perdu des visiteurs? 1407, non, pas plus que ça. Et pourtant, pourtant, ça tourne, hein. Pourtant, ça tourne pas mal, hein. On va transférer, ce qui va nous permettre d'aller chercher les nouvelles étoiles... Enfin, le nombre de visites, enfin, d'espèces aquatiques. On a fait la recherche, on va pouvoir du coup mettre. Grand poste électrique. Que je vais poser là, comme ça. Ouais, ce sera très bien. Reptile marin, parfait. Ah, mais du coup, je peux carrément aller chercher le bosasaur, en fait. Je suis pas obligé d'aller chercher le tylosaur. Oh bah on va chercher Mosasaur. Oh bah carrément. On va d'abord chercher Mosasaur. Je vais mettre au repos. Pour pas qu'il s'énerve trop les gens. Et on va aller chercher le Mosasaur. Attends. Accorder un congé. 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 Ah si on peut aller chercher le Mosasaur. Les trois chronosaures on les bascule là-bas au bout. Et on amènera le Mosasaur ici. Ok. Oh, c'est bon, c'est pas une tempête. Parce que lui, il a juste un besoin insatisfait, donc... Hop. On les bascule là-bas. On les bascule là-bas. Ce qui fait qu'on pourra ajouter des nouveaux grands magasins ici, et ceux-là, ils vont commencer à perdre de l'argent. Mais comme on va mettre Mosasaur dedans... Ça devrait le faire. Et un seul, quoi. Ça devrait le faire et compenser. Pas mal. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah, la recherche du Mosasaur, tout simplement. Et comme les vacances sont terminées, on peut y aller. Recherche du Mosasaur. Hop. Recherche moins cher. Recherche moins cher. Et j'ai pas trois recherches moins chères. Il me semblait. Il me semblait, mais bon, c'est pas très grave. Attendez, c'est lequel que je dois mettre là? Ah mais Titanie, tu sers à rien en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. 5. Titanie, pardon, Titanie.
Tani, je peux t'améliorer ou pas du tout? Dis-moi. Je peux pas t'améliorer. Par contre, je peux améliorer. Je peux améliorer elle qui est en recherche plus rapide. Hop. J'espère qu'avec ça, ça va suffire. On va aller chercher le Mosasaur. Tac. Recherche moins chère. Recherche plus rapide. Recherche moins chère. Et 18. Ok. 980 000. C'est déjà pas mal en économie. Après, il faudra partir en XP, quoi. Du coup, les gens sont partis là-bas. Normalement, ça va attirer les pépères. On a un grand hôtel qui doit être dispo. Je vais l'installer direct ici. Ok. Très bien. Et on va venir y mettre du coup le confort des visiteurs avec abri d'urgence, etc. etc. quoi. Avis de tempête encore, disons. Encore un avis de tempête. Ouverture des abris. Et des toilettes. On va construire ça. Et il faudra potentiellement qu'on mette. J'aurais pas forcément la place. On va réparer ça. Ah oui, le Mosasaur est dispo. Ça y est, on va pouvoir partir en expédition. On risque de perdre 100 000. On va pouvoir partir en expédition. Ouais, du coup, c'est cassé. C'est plutôt intéressant tout ça. Ok, la tempête est terminée. Où sont les abris là? L'abri est là. Fermeture des abris. Les gens ont fui là. Mais malgré le fait que les gens sont pas forcément là, on continue de gagner de l'argent. Donc c'est bien. Mais il va falloir un peu de temps pour que les gens se propagent. Ce qui m'intéresserait éventuellement, ce serait de déplacer les centrales électriques. Peut-être en faisant une recherche de grandes centrales électriques. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on peut faire la recherche de la grande centrale électrique? Post-électrique, non. Alors, il faudrait 2, il faudrait 3,5 en note. Du parc pour aller chercher la grande centrale. Mais je déplacerai bien les centrales électriques potentiellement de ce côté-là, si je peux. Je sais pas si ce serait faisable, mais je vais regarder vite fait. Électricité. Là. Ouais, on pourrait placer les centrales électriques ici. Tac, tac, tac. On pourrait potentiellement en placer 3. Ou au moins 2. Ce qui me permettrait derrière, ici, de venir mettre ça. Et de venir ajouter un arrêt, pourquoi pas là. Et un autre arrêt dans le coin ici. Ce qui augmenterait le confort des visiteurs au niveau transport. On est à 78%. Je pense que c'est pas mal. Je pense que si on bascule sur ça, c'est pas mal. On peut aller chercher déjà du Mosasaur, on va y aller. Les Mosasaur. Les Mosasaur, expédition moins chère. Expédition moins chère. Tac, 1,5 million. Qu'est-ce que c'est? Perdre 200 000, durée restant, durée de la tâche x 4. On perd 100 000, on peut se permettre de perdre 100 000. Quand on gagne 230 000 par minute. Post-tempête en plus. Il n'y a pas trop de soucis. Ici, besoin insatisfait, pourquoi? Parce que forcément, on n'a pas de poissons. J'ai oublié de les mettre. Donc mettons des poissons. Ah, tout de suite, forcément, ils sont un peu plus heureux. Après, au niveau espace, à 3, ils sont un peu trop nombreux, quoi, du coup. Mais, besoins environnementaux, la superficie est pas parfaite, quoi.
La superficie est pas parfaite et malheureusement je pourrais pas forcément équipe de garde 5 là. Équipe vétérinaire ici. Je pourrais pas forcément ajouter un nouvel Ah si je peux. Oh bah let's go, on fait. Comme ça on a vraiment l'espace parfait pour les trois chronosaures. C'est très très bien. J'ai peur qu'ici un mosasaur ce soit trop petit, mais bon on verra. De toute façon je pourrais pas le mettre plus grand, donc on verra. On verra, on verra, on verra. Ça se passe pas mal, l'expédition est en train de se faire. La note du parc devrait remonter, mais là, forcément, on perd un peu d'argent puisqu'il n'y a plus rien ici pour attirer les gens. C'est pas un problème, c'est juste le temps d'aller chercher le mosasaur qui arrivera dans la prochaine vidéo, on espère. On va s'arrêter là pour celle-ci. Tout va bien? Ouais. On va s'arrêter là pour celle-ci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, Star Viking, du coup, sur Jurassic World Evolution 2 pour le défi Allemagne en Jurassic. Et on verra pour la suite si on arrive à s'en sortir avec un mosasaur. Est-ce que ça va faire exploser ou pas le nombre de visiteurs, etc., etc. Nous verrons, on l'espère. 2500 d'attraits supplémentaires, sachant qu'on est à 4006. Bah, ça va nous faire monter à 6-7000 d'attraits. Juste avec un mosasaur. Et derrière, on pourra essayer de réfléchir à quoi mettre pour le futur. Moins 1200 de pénalité de variété d'espèces. Hein. J'ai pas assez de variété, mais j'ai que 7 sur 10 espèces, donc forcément. Dès qu'on va ajouter mosasaur, ça va diminuer certainement ici, puisqu'on passera à 8, et on pourra ajouter 2 de plus. Faudra juste réfléchir à ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Viking sur Jurassic World Evolution 2. Bisous à tous, bonne journée, et à la prochaine sur la vidéo, on l'espère, mosasaur. Allez, ciao.